Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport Dom Garindiaï, Warul Tite, Warul Ragal. Donc, tu as Souleymane Aw. Hein. Qui est Souleymane Aw? Donc, Souleymane Aw, actuellement, c'est l'actualité ici au Sénégal parce qu'il est visé par l'FC Basson. Donc, selon Mundo Deportivo et RMC, Barça parrainé pour signer Souleymane Aw, mais évolue, il fallait que Béziers, 4e division française. Donc, Souleymane Aw, il va quitter la 4e division française pour aller au FC Basson. Donc, Barça Bélinkoyoub, comme Moussa Ogeninkoyouboun, comme Diawandou Diagne, il va être donc, le 3e Sénégalais d'aspirer à donc, porter le maillot du FC Basson. Donc, si ça se concrétise, donc, Souleymane Aw, il a une opportunité de percer parce que Barça Dinkoboguedjend pour préparer l'après Jordi Alba, parce qu'Alba actuellement il a 31 ans, il est vieillissant, performance am sa xawna wañeku même s'il revient en forme après le Covid-19. Donc Souleymane Aw meuna nek une solution dans le futur pour le FC Barcelone au poste de latéral gauche parce que c'est un jeune joueur mais qui a beaucoup d'expérience dans les catégories, surtout en équipe nationale du Sénégal. Il a 21 ans mais il a joué deux campagnes de Coupe d'Afrique des Nations 2017 et 2019 et deux campagnes de Coupe du Monde en 2017 et en 2019 avec les Lions U20. Donc c'est un joueur qui connaît bien l'équipe nationale du Sénégal dans les petites catégories. Après demna casse apone, il n'a pas percé. Donc cette saison il a été donc très très performant avec Béziers en 4e division. Donc actuellement Mungi Bege marcher sur les pas de Moussa Wagé, mais on espère qu'il aura beaucoup plus de réussite que Moussa Wagé qui n'arrive pas à s'imposer au FC Barcelone. Donc c'est un membre indéboulonnable des Lionceaux parce que on a l'info depuis la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, finaliste aussi en 2019, quart de finale de la Coupe du Monde en 2019, U20. Donc c'est un cadre de la tanière. Donc l'autre aussi on a attiré l'attention à l'UCC parce que Moussa Wagé, quand il y a eu Coupe d'Afrique des Nations, il jouait au Barça B. Donc Souleymane Aw, pour le Barça B, en compétition, il peut être une solution au poste de latéral gauche parce que Balégui, Mourassine Koli, Salucis, donc Sabali. Donc c'est un droitier, il faut redéler le droit. Donc Pape Djibril Diaw testé nanko, donc Aaron Beng, amul ben latéral pour l'instant qui est un gaucher type, un gaucher qui a donné satisfaction à l'UCC, amagul. Donc il faut que l'UCC aussi mu djema piocher. Donc ñu wax bi nationaux mais seulement Aw, s'il arrive à aller au Barça et à jouer quelques matchs, donc il peut espérer donc être appelé par l'UCC parce que Moussa Ndiaye won nanko, donc Djali Kobali Ndiaye won nanko. Donc il est de la même génération. Donc même que Crépin Diatta, ñom ñaar jeune non nañ Coupe d'Afrique des Nations 2017. Donc U20. Donc quand même il a l'occasion donc, de percer dans sa carrière, de progresser et pourquoi pas de venir jouer en équipe nationale du Sénégal. Parce que pour ce latéral gauche, il y a un joueur comme Souleymane Aw qui a un très bon gaucher en Damala, en Gatanla. C'est un très bon gaucher qui fait de très bons centres et qui est capable de marquer des coups francs. Donc il peut apporter beaucoup de choses à l'équipe nationale du Sénégal. Donc Souleymane Aw au Barça, une opportunité pour le jeune Sénégalais de frapper ou bien d'entrer dans la tanière de l'UCC. Donc Souleymane Aw. Donc, on te souhaite bonne chance si tu arrives à signer. Parce que Mundo Deportivo Moko avec RMC, on attend de voir l'officialisation du transfert de Souleymane Aw.